La délégation de l'initiative pour la transparence des industries extractives est satisfaite des actions du gouvernement ivoirien en faveur de la bonne gouvernance, notamment dans les secteurs miniers et pétroliers. C'est l'essentiel du message porté au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La stabilité que connaît le pays est reconnue de toute la communauté internationale. De même, les efforts fournis par le gouvernement présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre et le Président Alassane Ouattara pour s'assurer donc que la transparence et la gouvernance soient le cheval de fer de leurs activités et opérations économiques dans le pays et également été perçues positivement la part de la communauté internationale. Ceci étant, la mise en œuvre efficiente reconnue également de la Côte d'Ivoire pour ce qui est de l'ITIE n'est pas passé inaperçu de l'ensemble donc des principaux acteurs de l'ITIE à l'échelle mondiale. C'est en 2008 que le conseil d'administration de l'ITIE, basé à Oslo en Norvège, a accordé le statut de pays conforme ITIE à la Côte d'Ivoire. Le pays s'est engagé depuis lors à diffuser des informations nécessaires pour la population sur les ressources extractives, favorisant ainsi une plus grande transparence et une bonne gouvernance.